I started wheeling and bicing, ain't had no front wheel. When I was 14, I signed with Meek Mill. Now I'm on that private plane chilling with Meek Mill. Now them bitches, now they know me, yeah, they know the deal. Voilà, on est bien arrivé, hein. On attend le vendeur. Now them bitches, now they know me, yeah, they know the deal. Now them bitches, yeah, they know me, yeah, they know the deal. Been getting legal money for a while, you know how I feel. All my niggas still trapped and they still in the field. All these bitches wanna fuck me, is this really real? Bitches wanna fuck cause a nigga getting dope. Started riding bikes, then I started doing shows. I got bad bitches all across the fucking globe. They on Snapchat taking off they fucking clothes. I text her phone, she text me back, I'm like, let's fucking. Bon les gars, c'est Woody Fool. Alors hier j'ai pas pu prendre de vidéo quand j'ai vraiment acheté la moto en gros, parce qu'il faisait nuit, je filmais avec l'iPhone et puis ça aurait fait une qualité dégueulasse, je voyais, j'ai essayé hein, pourtant. Mais bon voilà, on se retrouve aujourd'hui avec, là on est le lendemain, je viens de me réveiller, il est 13h parce que hier on est rentré tard à cause de la route, tout ça. Donc voilà, c'est un 3,5 SXF de 2011 en gros. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le nettoyer, mais je vais même pas vous montrer en vidéo quand je le nettoie parce que ça va durer longtemps et puis c'est pas très intéressant. Je vous montrerai direct après quand je la teste. J'ai regardé sous les kits déco ici présents. Je pense qu'il y a des kits déco d'origine, je suis même pas sûr. J'espère, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois d'avoir autant de chance. Je l'ai payé 1700 €. 1700 € une 3,5 SXF, elle était à 2000 € sur le bon coin. Et en fait la personne, je la connaissais. Et puis vraiment, il m'a fait faire une affaire en or. Une 3,5 SXF pour 1700 €, c'est un truc de malade si jamais. Je vous ai pas oublié pour le concours de celle-ci, vous inquiétez pas, c'est très très prévu là. Il faut juste que je mette tout en place, il n'y a pas de problème. Donc mettez un max de likes sur cette vidéo et vous inquiétez pas, ça arrive très très vite. Re les gars, donc voilà, comme je vous l'avais dit, je me suis pas trompé, il y avait bien un kit déco derrière le kit déco que je trouvais vraiment horrible. Donc là, on a un kit déco d'origine 2014, donc c'est pas vraiment un kit déco qui se colle, c'est imprimé sur le plastique. C'est ça qui est bien, c'est ce que KTM ils ont fait à partir de je ne sais même pas quelle année. Et on peut voir que la moto est bien plus propre. J'ai tout lavé, j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé les protège-mains parce que je trouve ça horrible. J'ai enlevé les autocollants que j'aimais pas du tout. Et je vais sûrement enlever les couvre-rayons parce que j'aime pas du tout ça. Surtout avec des jantes grises. Et ils sont rouges alors que c'est une KTM. KTM c'est orange quoi qu'il arrive. Et puis voilà, là je vais vous montrer 2-3 roues arrière avec la moto. KTM était donc super en avance parce que là c'est une moto de 2011. Il y a déjà le démarreur électrique. Donc il y a déjà le démarreur électrique et c'est ça qui est super bien. Voilà, donc là je vais faire 2-3 roues arrière, je vais demander à mes potes qui me filment vite fait et je vous ferai une vidéo GoPro si vous avez kiffé cette moto, je vous ferai une petite vidéo GoPro qui dure 5-6 minutes comme d'hab. C'était One Week, One Bike, 7, ouais, je peux même pas faire le chiffre 7 avec mes mains. Bref, c'était le 7e épisode, on se retrouve au 8e la semaine prochaine normalement. Je vous kiffe, bisous, c'était Woody, ciao.